La vidéo ça je dis à nous pour te voir comment capable supprimer un compte banque sur page Facebook. Comment capable supprimer un compte banque sur page Facebook? Donc tu recevras un message sur WhatsApp non qui te demande de vidéo ça. Parfois quand on remplit une page Facebook avec un compte bancaire et puis il y a un bon problème. Il y a un bon problème ou bien que pendant avoir rempli compte banque là ou mal activé là il est rempli sur mode politique. Depuis qu'on appuie sur le mode politique, Facebook parle de bonnes sanctions avec les correctement. Ok? Alors, on va montrer comment on est capable de supprimer le compte banque ça, puis ça, on est capable de remettre encore, on doit mettre le compte, comment on est capable de mettre. Ok? On a salué tout ancien abonné nous, parce que nous avons fait ça. On a salué tout ancien abonné nous, et tout nouveau abonné nous. Et nous salué le monde, sauf que tomber sur le page ça, on a demandé de vous abonner à la page ça, parce que le page ça, il y a un peu de bail dans le capitulo. C'est pas nous qui avons dit, on visite le web. Ok? Alors, vous pouvez comme vous cliquer en bas de recherche là, et vous avez écrit Creator Studio. Alors, vous pouvez cliquer sur Creator Studio encore. Ok. Là, vous pouvez déjà ouvrir une page Facebook avec mon correctement. Ok. Mais vous même qui vous avez Facebook, vous n'avez pas de connecter avec site internet, librement de Gmail ou mot de passe pour vous connecter, vous pouvez ouvrir une page même avec mon correctement. Ok. Ok, là je vais là, je connecte avec mon compte Facebook, je vais passer dans la phase monétisation, vous imaginez avec le compte bancaire, je vais passer dans l'outil pour les créateurs, et puis tout, je vais descendre en bas là toujours, je vais venir ici en bas là, je vais venir ici en bas là pour cliquer dans les paramètres. Ok, si je passe dans l'outil pour les créateurs, et bien, ça va tourner. Passer dans l'outil créateur. Ok, là passer dans l'outil créateur, aussi poser dans la ligne, ça là, vous supposez joindre. Ou si vous avez un côté audio et paiement, vous pouvez cliquer sur paiement là pour ajouter une information pour être capable de supprimer le compte bancaire ça. Ok, si vous pas ajouter la ligne ça là comme ça, ou pas la deuxième ligne ça comme ça, ou bien côté le marque paiement, ou bien côté le marque paiement, et vous pouvez cliquer sur lui, qu'on a le libre apparaître dans la phase ça là comme ça. C'est qu'on soit capable de faire correctement. Ok, l'autre façon encore. Ou capable de sous pas de faire du tout après qu'on va jouer qu'on a la main même qui déjà on galé dans bouton paramètre ça en bas là ouais on galé dans bouton chez ça en bas dans bouton paramètre ça on clique sur paramètre ouais là on clique sur bouton paramètre là qu'on a le même moins pas ça là comme ça ouais et même pas ça là comme ça. OK, l'album même pas ça là comme ça qui ça me faire on galé dans bouton paramètre ça là pour venir là encore. Ou bien, je vais aller là, dans vraiment bouton paiement. Ou là, je marque facturation et paiement. Je vais cliquer sur là. Ok, je vais aller sur page ça. Je vais cliquer sur page ça, je vais aller sur paramètres de paiement. Ok, ça veut dire là, je vais pinger une page là comme ça. Je vais mettre un petit zoom pour vous. Je vais pinger une là comme ça. Je vais aller sur toute information paiement là, vous êtes capable de supprimer correctement. Je vais aller pour supprimer, je vais dire, mais là, il dit une facturation automatique activée. Il dit, moi, j'ai un compte bancaire ça qui est activé sur lui là. Ok? Si c'est le compte bancaire, ça me dit, il y a l'autre page là, pas de compte bancaire sur lui. C'est ça que je vais montrer correctement. Ok? Quand il y a là qui ça vous fait, on va cliquer sur trois petits points à droite, à ce côté là, comme ça. Venez. Je vais zoom toujours pour capable. Well. Donc, cliquez sur lui là, qui ça va modifier, il va supprimer. Ça lui dit là, je suis capable de modifier, modifier, changer l'information pour la mettre l'autre. Sous tes fonds, je suis capable de modifier, changer, mettre là. Ok. Sous besoin de supprimer le tour, on va cliquer là, sous supprimer. C'est qu'on soit capable de supprimer un compte bancaire sur Facebook correctement. Ok. Moi-même, je ne peux pas supprimer pas maintenant, c'est ça que. De vous faire cliquer sur supprimer là, après ça, la banque bon, ok, dans le dernier fois, on faire ok, et puis tout va finir par gagner encore. Ok. C'est la fin de la vidéo. Ciao, ciao, on a prendu d'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.